5000 abonnés, 5000 euros, c'est ce que promet une école d'influenceurs. Devenir influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable. Ambaza est la première école d'influenceurs française. L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20 000 followers Instagram et de générer plus de 5 000 euros par mois. La formation coûte 1 200 euros, mais elle sera totalement financée pour les 15 premiers candidats. Donc, rien à payer. Prêt à changer votre vie? Candidatez via le lien ci-dessous. Cette école d'influenceurs vous promet que vous atteindrez 20 000 abonnés et que vous aurez 5 000 euros. 5 000 euros par mois. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est stupide de faire ce genre de formation. Je vais vous expliquer comment faire, comment atteindre les 20 000 abonnés et gagner de l'argent. Je ne vous promets pas 5 000 euros, mais je vous promets que vous pouvez gagner de l'argent, surtout que Instagram a lancé un nouveau programme. Et en fait, ils ont lancé un système où ils vont connecter les influenceurs, les gens qui ont des comptes Instagram avec pas mal de gens qui les suivent, et les partenaires, le partenariat. En fait, ils vont connecter, Instagram va connecter les créateurs de contenu, hein, les créateurs, les entrepreneurs qui sont influenceurs, et les marques. Et ils pourront négocier des partenariats sans avoir à sortir de l'application. Et grâce aux créateurs Marketplace, les marques pourront atteindre plusieurs types d'influenceurs. Ce sera plus uniquement réservé aux gros influenceurs. En fait, les micro-influenceurs, ceux qui ont 50 000 ou un peu moins 50 000 abonnés, pourront être contactés directement via cette marketplace. Les nano-influenceurs, ceux qui ont moins de 10 000 abonnés sur Instagram, pourront eux aussi être contacté par les marques. Vous allez pouvoir avoir des deals, vous allez pouvoir avoir des accords avec ces marques directement et ce sera transparent. Et surtout, vous n'aurez pas à partager vos revenus, un peu comme sur YouTube, pas avant 2024. Il n'y aura aucun frais jusqu'au 1er janvier 2024. Ah oui, si tu veux plus d'astuces, d'idées, d'histoires business, tu peux rejoindre mes emails privés. Tu vas t'inscrire, tu vas recevoir un mail de confirmation et hop, je les envoie une fois par semaine. Ce qu'il y a de bien avec les micro-influenceurs, ceux qui ont moins de 15 000 ou moins de 10 000 abonnés, c'est que leur communauté est extrêmement engagée. Beaucoup plus que sur les autres typologies d'influenceurs. Mais alors, comment vous faites pour vous lancer? Eh bien, c'est simple. Pas de photos. Enfin, c'est fini les photos sur Instagram, que de la vidéo. Et donc, en ce moment, Instagram et YouTube, avec les shorts, et Instagram avec les reels, ils donnent la priorité sur ce type de format d'une minute. Le but, c'est de pouvoir faire ce format court, ça peut être 1 minute ou 1 minute 30, et de les mettre sur plusieurs plateformes. Pourquoi c'est avantageux? Pourquoi vous devez faire ce type de contenu? Parce que ça a le vent en poupe. C'est en ce moment qu'il faut se lancer sur ce type de contenu, parce que Instagram en manque, YouTube en manque de shorts, et donc ils boostent ce type de contenu. Donc vous avez des chances de trouver votre communauté comme ça. Alors surtout, il ne faut pas faire comme les autres, il faut se différencier. Essayez d'avoir un persona, c'est-à-dire imaginez une personne à qui vous parlez, c'est-à-dire ses goûts, ses envies, ses centres d'intérêt. C'est ça qu'il faut viser, c'est le persona. Il faut s'imaginer vraiment quelqu'un qui existe. Imaginez que vous discutez avec une personne, vous faites votre contenu pour une personne. Et est-ce que vous allez percer? Non, probablement pas. Pourquoi? Parce que il va falloir faire pendant plusieurs semaines, voire un mois, beaucoup de contenu. Et ensuite, vous analysez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et vous répliquez ce qui a fonctionné. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre nombre d'abonnés. Comment je le sais? Bah simplement parce que j'ai 34 000 abonnés sur YouTube maintenant et que je fais énormément de tests. Et je sais quel type de vidéos vont marcher, quel type de shorts vont fonctionner, quel type de reels vont fonctionner. Je sais quelle thématique, quel type d'intérêt ont mes abonnés. Et donc, le persona et vous lancer dans les vidéos d'une minute en ce moment, c'est ce qu'il faut faire. Allez-y. J'avais fait un live exprès pour ça, pour vous expliquer qu'il fallait vous lancer maintenant dans les shorts, les reels, etc. Et qu'en fait, vous faites une vidéo d'une minute, vous pouvez le mettre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. C'est ce que je fais. Et donc, pour revenir à Instagram, ils veulent reprendre le pognon qu'il y a sur le marché de l'influence. Instagram est vraiment une plateforme professionnelle. Et donc, en fait, il y a une manne financière énorme qui leur échappe et ils veulent la saisir. Et donc, pour percer, actuellement, c'est ce qu'il faut faire. Et bon, je ne vais pas continuer plus que ça. Bon, les gars, il y a du taf.
Hein, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.